renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'adore Mano, j'aime rire, j'aime l'humour. Gorgette, viens là. Nous sommes avec Opium du Peuple, ils sont en forme. Yeah, ah, ils ont une patate, ils vont se présenter déjà. Prénom, instrument. Ils nous ont donné des micros. Mademoiselle Cœur au chant. Ouais, ouais, ouais. Slobodan, chant. Et Joy Delis au chant également. On est trois chanteuses. Oui, et il y a des musiciens quand même derrière. On les emmerde. Ouais, on les emmerde. On s'en fout. C'est des intermittents. Non, avec nous, vous trouverez Gilles de la Tournante. Non, pas du tout. Gilles est par balle. Machine. On peut recommencer. Ouais, alors Opium du Peuple, une petite présentation pour ceux qui vous connaissent pas trop. Sean au chant et au charisme. Slobodan au chant. Joy Delis au chant. Et avec nous, il y a Gilles Parbale, Eduardo de la Vega, Machine et Monsieur K. Et Machine fête son anniversaire aujourd'hui même. Oula, et c'est alors, absolument il y a des surprises. Eh oui, c'est 64 ans. Ah oui, quand même. Vous faites quoi, alors, Opium du Peuple? Ça, quel âge, à peu près? Ça a 17 ans. 17 ans. Et vous travaillez donc sur des reprises, retravaillées, punk, rock... Ah non, c'est un répertoire qui nous appartient et qu'on s'est fait voler, c'est pas pareil. Oh là là, les vilains! On nous a tout pris, on nous a tout volé. Putain! On avait toutes ces bandes, tous ces enregistrements, parce que c'est dans notre famille depuis des années, et on s'est fait voler, et du coup on est là pour rétablir la vérité dans la variété. D'accord. Okay, donc c'est tous des spoilers. Exactement. Ils aiment pas le métal à ce qui paraît, ces gens-là, mais ils nous ont tout volé. Alors, là, vous avez 6 albums au compteur, le dernier qui vient d'arriver, là. Exactement. La malédiction de la Blackburn. Yeah. On a quelque part l'impression qu'il y a du Jack Sparrow quelque part. Absolument. On ne dirait pas, oui, mais oui, un petit peu. Absolument, on est tous des pirates, en fait, dans ce groupe, si tu veux. Et oui, c'est pour le film Pirates des Caraïbes. On t'avait pas dit. Moi, j'étais sur Pirates de Brian De Palma, en fait. Alors, petite question. La Blackburn, c'est notre camion. Comment vous choisissez les morceaux que vous allez mettre sur les albums? Parce qu'on vous en a piqué tellement. On vous en a piqué tellement, le morceau. En fait, on choisit... Alors déjà, il faut que ce soit des morceaux qui soient ultra connus. Oui, ça aide. Donc on écrit des morceaux. On choisit dans notre répertoire que les morceaux que les gens connaissent bien, 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 mais qui sont mythiques. Et après, il ne faut pas que ce soit des morceaux que les gens nous aient volés. Ah, attention, il y a John Lennon qui joue de la guitare. John Tekel à la guitare. Si vous venez pas nous voir, je tue le chien. Oh ben non, on tue pas les chiens, ça va pas. Donc, voilà, non, faut le laisser tel quel. Nous, il faut pas que ce soit un morceau rock. Il faut que ce soit un morceau mythique. Ouais. Il faut que ce soit un morceau issu de la chanson, voire de la variété. Mais dans ce cas, c'est pas pareil. Quand on fait la chanson, c'est plutôt un hommage. Quand on fait de la variété, c'est une parodie. D'accord, ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est vachement bien, ce que tu viens de dire. Ah, c'est beau. Ah ouais, on retient. Ah, celle-là, faut la garder. Et pendant ce temps, on vire le chat. Ah, c'était beau, quand même. C'est... Pardon, faut que je parle... Oui, voilà, je dis ça depuis 2008, mais vous n'étiez pas là. Pas du tout, je suis là depuis 2013, et avec moi, tout va mieux. Alors, comment se fait le choix, justement, des morceaux que vous allez mettre sur la galette? Parce qu'il y en a tellement... la même question. Non, non, mais justement, t'as parlé de... Ça se ressemble beaucoup comme question. Mais non, vous avez parlé de titres mythiques qui sont super connus. Spectacle. Mais qui décide? Tous. Faut que ça soit tout le monde qui lève la main. De base, c'est des morceaux qu'on aime bien, qu'on a envie de défendre, ouais, déjà. Et ensuite, c'est ceux qui marchent. Puis c'est tu vois, on commence les spectacles souvent. Il y a des morceaux, c'est peut-être pas toujours les mêmes. Et puis au bout d'un moment, on change. Au bout de 2-3 concerts, quand on commence l'exploitation d'un nouveau spectacle, on change. Parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent moins. Donc on va plutôt vers les choses qui marchent. Oui. Et si tu veux, au bout de quelques mois, on arrive à être calibré sur que des choses qui fonctionnent. Donc ça, c'est cool. Et du coup, on laisse de côté les choses qui marchent un peu moins. Parce que t'as des morceaux qui se prêtent pas vraiment, quoi. Mais tout t'as cru au début, puis après tu dis merde, en fait. Ouais, voilà. Laisse tomber, quoi. Peut-être un peu moins fédérateur, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est moins fédérateur. Alors, pareil, j'ai été faire un petit tour sur Internet, sur les YouTube. Du dos. Alors, vous avez quand même des clips à la sauce NTM, tout ça, qu'ils ont quand même. Sensei, ni style, foudre de gilet par balle, à base de pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène, Sensei, c'est de la bombe, bébé. Mais si t'as payé, ça se reconnaît, bébé. Ouais, on aime bien, ouais.
Oui, ah bon? J'avais pas remarqué. En fait, on est hyper contente avec Sean de pouvoir faire ce titre-là, parce que avant, dans le passé, quand on a eu fait des morceaux où c'est les filles qui chantent, on s'était accordé une espèce de maxi qui était Opiomètre du peuple, où il y avait Sans contrefaçon, Ce rêve bleu et Comme une vierge, la traduction de Like a Virgin de Madonna. Et on était hyper fiers sur cet album de revenir et de flanquer Opium du peuple sur une chanson chantée par les Opiomètes. Et surtout des chansons de mecs, de rappeurs qu'on adore, si tu veux. On a trouvé ça très cool, ça nous a donné du pouvoir. Et l'accueil du clip était vraiment mortel, donc on est trop contents. Ah, bien sûr êtes... j'arrête pas de la regarder. Non mais à la rigueur, on mettra un petit des pixels. Si j'en ai sous la main, je te mettrai les pixels. Non mais pendant que je dis des trucs pertinents, finalement. Voilà. Ça va plus, merci beaucoup. C'est là qu'on a le contraste total. C'est le contraste total entre ce que tu dis et ce qu'il fait, quoi, en fait. Et c'est exactement ça. Du coup, j'ai un peu honte. Voilà. On le refait, vas-y. Non. Est-ce que vous avez prévu un autre clip, justement, sur le dernier album? Peut-être bien, mais peut-être que si on te le dit maintenant, ce serait te servir les profiteroles avant le gigot. Spoiler. Donc, c'est prévu, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu ça l'idée. Tu vas creuser. C'est à peu près ça l'idée. Ouais. En fait, naturellement, il y a un morceau qui s'est détaché pour le public, dans le cœur du public, qui a été ce que j'appellerais le fan favorite. En français, c'est le favori des fans. Tu vas voir le spectacle ce soir, puis tu nous diras lequel est ton préféré. Ouais. La plupart du temps, c'est souvent le même, et c'est celui-là qu'on vous fera des petites choses avec. J'espère que ça vous plaira. Sur le dernier album, le visuel, c'est qui, c'est quoi? Qui a fait la pochette? C'est Sean, c'est Mademoiselle Claire. C'est vrai qu'au dernier moment... T'es graphiste ? Je suis, oui. Aussi ? Artiste, tatoueuse, chanteuse. Multipass. Voilà, Multipass. Avec les cheveux, ça va bien ? Sean Multipass, voilà. Et oui, c'est absolument mon idée. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais dans un festival de films de genre qui s'appelle Gérard Mer. Oui. Donc du coup, je regardais beaucoup de films d'horreur et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit « Il faut absolument un visuel pour Opium du Peuple » et on était parti sur la malédiction de la Blackburn et du coup, m'est venu assez naturellement les gens de la mer. Magique, voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Prochaine date ? Ce soir, dans une... Ouais, non, mais ça, je m'en doutais un petit peu. T'as bouffé un clown, toi, ce soir. Non, j'ai pas bouffé, c'est pas manger l'expression. Attends, je regarde. Non, on lui fait l'amour. Hein, vous avez peut-être un tour manager qui traîne. Toutes nos dates sont disponibles sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la tournée dans les posts. Maîtrise, le truc. Non, mais sans moi, le groupe s'effondre. En fait, voilà, je l'ai dit. Il y a très peu de festivals au mois de juillet. Début juillet, t'as des festivals. Après, t'en as beaucoup moins. Et les festivals reprennent au mois d'août. Donc nous, on reprend au mois d'août. D'accord. Après celui-ci, on a 3 week-ends où on joue pas. Et premier week-end d'août, on joue. Deuxième week-end d'août, on joue. Et après, on joue aussi. Voilà. Dernière question, on va vous lâcher, parce que je sais que vous êtes assez pris. Est-ce qu'il y a un morceau qui vous plaît à mort et que vous n'avez pas encore retravaillé? En disant, ce titre-là, un jour, putain, faut le faire. Ah là là. Je ne vais pas te le dire. Ah, toi, c'est quoi le tien? Le tien, c'est lequel? Si, vas-y, dis le tien. Je le dis pour de vrai? Ça va être un peu la honte, non? Non, ça vas-y, pas. J'assume. Bah, il y a un titre que j'adore de ouf, que j'adorerais reprendre avec Opium, mais je sais pas ce qu'il en est pour l'instant. C'est Je suis malade de Serge Lama, que je trouve absolument incroyable. Ça peut être conceptuel. Moi, je pense que c'est une super bonne idée. Non, si c'est clair. Toi? Moi, c'est Bang Bang, la version française de Bang Bang. Avec Bang Bang, ouais, je suis là. Parce que Schulz de Parabellum la faisait aussi le soir quand on rentrait. Parce qu'on a beaucoup joué avec Parabellum. Le soir ou tôt le matin ou quand on rentrait au gîte avec eux, ils prenaient une guitare et ils jouaient Bang Bang. Et c'était magnifique. Et c'est une chanson que j'aime bien. La version est bien en anglais, mais la version française, je l'adore aussi parce que du coup, voilà, nous, c'est en français. Ouais. Et voilà, mais j'ai hâte qu'on puisse la faire. Voilà. Et moi, ma chanson préférée de toute la life, elle a déjà été reprise par Opium. Dis celle que tu veux. Je vais dire celle que je voudrais pour le prochain spectacle. Mais celle que ma chanson de la vie que j'aime depuis toujours, c'est Le Sud, et on l'a déjà faite. Oui, donc. Par contre, j'adorerais que pour le prochain spectacle, ce n'est pas une de mes chansons préférées, on fasse. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Ah bah là tu fous le feu là. Ah merde. Nanana. Voilà.
J'aimerais la chanter, mais je pense que c'est lui qui devrait la chanter. J'ai l'impression que Wayne t'a fait piquer, toi. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On ne va pas bouger votre temps, parce que merci je sais beaucoup. Que vous êtes très charrette, on va dire ça comme ça. Tu nous as tiré les verres du nez de trucs qu'on n'avait même pas discuté ensemble, et pour ça, bravo. Tu nous as tiré des trucs exclusifs. J'ai là. Mis les pins qui vont bien. Hein. On joue les a achetés. Dans 5 minutes, on est sur scène. Je vais faire un saut, putain. Allez, on s'embrasse. Merci beaucoup. Allez, à plus. Ciao, ciao. Merci. Merci à vous.